Eh bien, salut à tous, c'est Tahan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On se retrouve les gars pour une vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Donc là, il est actuellement 10h57. Je viens de me lever il y a genre 20 minutes, clairement. Je dis ça car, tout simplement, aujourd'hui, le concept de la vidéo, c'est un Siri décide ce que je mange pendant 24 heures. Donc ce concept, je l'ai déjà fait il y a bientôt 2 ans, jour pour jour. En fait, ça va faire 2 ans, jour pour jour, dans 2 jours, en fait, exactement. J'avais sorti cette vidéo-là le 28 juin 2020. Voilà, il y a 2 ans, j'avais fait ce concept et ça m'avait plu, donc je me suis dit, pourquoi pas le refaire avec vous en vidéo cette année. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le concept, donc sur l'application Notes sur iPhone, j'ai par exemple noté 4 aliments du coup que je vais pouvoir manger le matin, 4 aliments que je vais pouvoir manger le midi, 4 aliments que je vais pouvoir manger au goûter et au soir. Donc du coup, pour ce matin, je vais pouvoir manger soit des céréales, donc des trésors, soit un œuf plus du jambon, soit une part de pizza, soit des fruits, donc abricots, nectarines, etc. Donc là, je viens de vous dire les 4 aliments que je peux potentiellement manger ce matin. Maintenant, Siri va décider pour moi. Je vais tout simplement lui poser la question de choisir un nombre entre 1 et 4. Et Siri va donc me dire, par exemple, 1. Et donc, s'il dit 1, par exemple, je mange des céréales. S'il dit 3, je mange une pizza. Voilà. C'est super simple, les gars, comme concept. Vous allez vite comprendre, je pense. Choisis un nombre entre 1 et 4. Ça fait 1. Ça fait 1, ça fait 1, il a dit. Hop, je vais vous montrer quand même de plus près. Donc en 1, si je me trompe pas, les gars, c'est clairement des céréales au trésor. Franchement, c'est magnifique. On adore, on commence super bien cette journée. Après, ça m'aurait plu de manger une pizza, hein. Clairement, je m'en fiche. Même fruits, mais juste le truc que j'aurais pas voulu, c'était œuf plus jambon. On mange des céréales, c'est très bien. Je vais aller préparer ça. Et c'est parti. Bon, j'ai quand même mis une bonne dose, mais au moins, on va pouvoir se faire plaisir. Donc là, du coup, je vais pouvoir manger des céréales ce matin. Carré en fait, c'est carrément carré dans le carré du fou. Bon, du coup, entre ce matin et le repas du midi, faut que je cherche ce que je vais manger ce midi. Donc, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais essayer quand même de mettre des trucs hardcore, hein, les gars. Par exemple, au goûter, j'ai déjà une petite idée. Genre, je vais mettre du saucisson, des trucs comme ça. J'essaie de mettre des trucs un peu plus chaud. Enfin, bref, les gars, moi je vais finir mon petit déjeuner. Pourtant, en plus, je mange pas trop de déjeuner moi le matin, mais bon. Là, c'est le but de la vidéo. Je vais quand même le manger en entier. Du coup, moi je vous dis à tout de suite pour le repas de midi. Bon les gars, il est actuellement midi 40, c'est carrément l'heure de manger. Maintenant, qu'est-ce qu'on va manger? C'est ce qu'on va savoir dès maintenant. Donc du coup, j'ai eu le temps de faire la liste du coup pour ce midi. En 1, je peux manger soit un yaourt, en 2, des chamallows plus du chocolat. En 3, un petit sandwich, voilà, c'est carré. Ou en 4, du poulet. Donc du coup, maintenant, on va demander à Siri de choisir un nombre entre 1 et 4. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 4. La réponse est 1. C'est encore 1! C'est encore 1! Donc, du coup, là, voilà, je vais vous montrer. C'est encore 1. Il a encore choisi 1. C'est impressionnant. Du coup, je mange un yaourt. On adore. Yaourt, c'est pas très dérangeant. Honnêtement, c'est pas très dérangeant. Moi, ça me convient. Juste pour un midi, bah, j'ai clairement la dalle, là. Mais, genre, vraiment, j'ai clairement la dalle. Et manger un yaourt, ça me fait un peu chier, les gars. Ça me fait clairement un peu chier. J'ai clairement été à chercher un petit yaourt. Voilà mon repas du midi. Mec, j'ai trop le seum. Comment j'ai le seum de fou? Du coup, c'est un yaourt abricot nectarine. Donc en vrai, ça, c'est clairement validé à mort. Par contre, les gars, on en parle que c'est même pas un yaourt, c'est clairement un. Comment ça s'appelle? Oh, c'est comme un Actimel, genre c'est tout liquide. Enfin bref, c'est pas grave. Il est très bon. Il est très très bon ce yaourt. Ah, comment j'ai le mort? Oh, j'ai trop le seum. Genre là, c'est mon repas. Genre là, faut que j'attende jusqu'au goûter pour manger peut-être un truc bien. Oh, j'ai trop le seum. Et voilà, les gars, défi réussi. Le yaourt est fini. Et bah écoutez, c'était très bon ce repas. Bon, bah du coup, c'est carré. On a fini clairement le repas. Maintenant, on va aller bah, du coup au goûter. Je vous dis à tout de suite en espérant pouvoir manger un peu plus parce que bon, ce matin, les céréales, encore ça va. Mais là, un petit yaourt. Juste pour un midi, ça me fait un peu chier. Ça me fait clairement un peu chier. J'ai trop faim. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu pour m'aider, frérot, parce que là, j'en peux plus, mec, j'ai trop faim. Enfin bref, à tout de suite quand on est au goûter. C'est parti. Let's go. Ok, les gars, bon, du coup, j'ai clairement changé de lieu. Je sais pas si vous savez où je suis. Il est actuellement 15h53. Et en fait, simplement, les gars, on est avec le frérot Vico. Pam, wesh l'équipe! Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu sur la chaîne. Mec, ça date de fou. Il va falloir qu'on refasse des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, les gars, ça va venir très fort. Faire le goûter ensemble, du coup, on a fait 4. Bah, on a choisi ensemble, du coup, 4 trucs à manger. Ouais. Le premier, c'est pancakes au Nutella. Le deuxième, saucisse.
Saucisse barbecue, hein, avec des pâtes, genre c'est clairement un repas. Troisième, c'est pain rillettes, ça c'est carré. Ça, ça va. Mais bon, l'été, l'après-midi. Ouais, c'est pas, ouais, c'est bon quand même, mais sans plus. Maintenant, on va demander à Siri un nombre entre 1 et 4, c'est parti. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 4. Le résultat est 2. Non. Les gars, c'est pas une blague. Hein. Clairement 2, mec. C'est saucisse au barbecue. Hein. C'est saucisse chez le boucher. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, il est 16h. Les gars, on s'est autorisé une petite... Une petite grosse nadine. Petite grenadine. Très très bonne, très très bonne. Pas piqué d'un ton. Apparemment, celle-là, mec, tu me l'as dosée à mort. Elle est sucrée à mort. Bon app, les gars. Bisous. Bisous. Bon, les gars, on va manger ça et on se retrouve juste après. Ah ben Dieu, c'était bon. C'était très bon. Ah bah là, ouais. Mec, je suis rempli du bide. Bah non, c'est... Non, c'est dommage. Ah là, mais là, là très clairement. Bah là, c'est bon les gars, je suis avec le Vico là. Je vais partir en moto, parce que moi j'étais venu en moto. On se retrouve chez moi ce soir du coup, pour le repas du soir. À tout à l'heure les gars. N'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et puis bah c'est parti. Voilà. Ah, et bien re les gars, il est actuellement 19h33. Bon. On va bientôt aller manger, donc je vais aller tirer maintenant au sort ce qu'on va manger du coup pour ce soir. Bon, bien évidemment, je suis rentré chez moi sans Victor, hein. Victor est resté chez lui. Du coup, j'ai fait la liste du coup des 4, bah, donc, des 4 choix que je vais manger ce soir. Premier, ça fait pizza. Voilà, je vais manger pizza, donc comme ce matin, j'avais mis. Donc là, bah, du coup, pizza en premier. En deuxième, du coup, bah, chamallow plus Nutella. Donc voilà. En vrai, ça me ferait un peu chier de manger chamallow plus Nutella ce soir. En troisième, cordon bleu. Donc ça, c'est carrément carré. Genre vraiment, si je mange ça, c'est carré de ouf. En vrai, pizza, j'ai pas trop envie ce soir. Donc j'aimerais cordon bleu, ouais, j'aimerais bien. Non, du coup, en dernier, c'est tout simplement tomate plus un petit saucisson. Genre un mini saucisson comme ça, genre tu peux manger comme ça à la main. Voilà, et la tomate, je vais la manger comme ça. Hein. Donc du coup, si on tombe sur ça, bon, c'est bon, clairement. Mais c'est pas foufou. Hein. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 4. Le résultat est 4. Oh, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Les gars, c'est bien écrit. Le résultat est 4. J'en ai trop marre. Cette vidéo-là, c'est pas pour m'aider. Je mange une tomate comme ça avec un petit saucisson. Bon, bah, c'est parti, les gars. Bon, les gars, regardez. J'ai tout avec la tomate derrière. On va se remettre là, du coup. On va se remettre dehors. J'ai trop le seum. Bon, du coup, c'est des petits saucissons à la noix. Voilà, c'est pas nature. Donc, du coup, bah déjà, on va commencer par ça. Très bon. Très, très bon, les gars. Je valide fort. Oh bon, c'est parti, les gars. En fait, faut savoir que, les gars, une tomate, c'est un fruit. Genre, ça peut se manger comme ça. C'est qu'on a trop l'habitude de la couper en rondelles pour la manger comme ça. Que, genre, la manger comme ça, c'est trop bizarre. Genre... Wesh. En fait, quand je la mange comme ça, je dirais... Arrête, Rock. Il a mon chien, wesh. En fait, quand on la mange comme ça, on a vraiment l'impression de manger un abricot, genre, mais goût tomate, genre, c'est trop bizarre. C'est pas mauvais. Ah, ça me fait chier quand même. Hein. J'aurais pu manger un cordon bleu. Oh, j'ai trop le seum. En train de repenser à ça, mais heureusement que j'ai mangé saucisse plus des pâtes à 4 heures. Hein. Parce que, en fait, j'aurais trop faim. Bah, mec, heureusement que j'ai eu ça, hein, parce qu'en fait, c'était clairement mon repas de la journée. Hein. Genre, j'ai pas eu de repas de la journée. Hein. Tomate finie, les gars. Il nous reste ça du saucisson. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez clairement pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour me le faire savoir en fait, tout simplement. J'essaierai de refaire peut-être d'autres des vidéos comme ça si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est très 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 important, ça soutient la chaîne, c'est que du plus frérot. Puis bah nous on se dit à dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. C'était Ethan, ciao ciao.